Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, mercredi 22 mars 2017, vous voyez, pour ceux qui ont reconnu à l'écran, une Fedora démarrée. C'est une Fedora 27, version de développement. La Fedora 25, c'est la dernière stable. La 26, c'est la branche qui est en train de se stabiliser pour sortir fin mai. Et donc là, c'est déjà la 27 que je vous montre, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo, ça va être surtout GNOME 3.24 que je viens de mettre à jour dedans, puisque GNOME 3.24 est sorti, il y a pas mal de nouveautés. Ce sera la version par défaut de GNOME dans Fedora 26, dans OpenSUSE Tumbleweed dans pas longtemps, dans OpenSUSE Lib si ça se trouve. Ce sera peut-être aussi dispo dans Arch Linux d'ici peu de temps aussi. Donc voilà. Et vu qu'il y a pas mal de nouveautés, ouais, et ben je vais vous les montrer là tout de suite maintenant. Alors je pensais que ça allait pas fonctionner, c'est pour ça que j'avais grossi l'écran, mais je vais revenir en 100%, voilà, profitons. Donc ici, je vous montre GNOME sur Fedora 27, donc GNOME ici 3.23.92, donc c'est encore, il y a quelques programmes qui sont encore en version de développement, mais là c'est bien le GNOME 3.24 que je vous propose sur Fedora 27. Si on lance un petit terminal, voilà, donc par contre c'est un chouïa long, terminal, voilà. Ah, on perd le clavier, donc on fait... On perd le clavier, ça arrive, donc on fait ça, et on fait ça, et voilà, le clavier va revenir, magnifique, terminal, voilà. Donc si je vous fais un petit rpm-qa pipegrep gnome, voilà, j'ai la moitié qui est en version 3.24, vous voyez, 3.24 pour les applications, le gnome shell, il va arriver... Hop, je sais pas où il est. Donc 3.24, bon, il y a des petits bouts en 3.23 et des brouettes. Mais le principal, c'est surtout que je vous montre les nouveautés, puisqu'elles étaient déjà dans la version de développement de GNOME. Donc, premier changement important, c'est la présence d'un Night Mode. Donc le Night Mode, c'est un mode nuit. Donc est-ce qu'il télescope Redshift ou pas? Il faudrait tester pour les utilisateurs de Redshift si ça ne fait pas double emploi ou autre. C'est dans écran, ici, voilà. Ça. Et dans écran, là, vous voyez, il y a le Light Night. Et Light Night, ici, ça permet, on peut activer le mode nuit. Donc soit en fonction du lever et du coucher du soleil, ou soit de manière manuelle. Donc là, si on l'active, ben, je ne sais pas trop ce qui se passe, parce que ça réduit probablement la luminosité de l'écran ou les couleurs. Donc en machine virtuelle, c'est évident, ça ne fonctionne pas. Et le mode de Sunset to Sunrise, eh bien, il va fonctionner à condition qu'on ait ici activé la localisation. Pour savoir où est-ce qu'on est localisé et quand est-ce que le soleil se couche là où nous sommes. Voilà. Aussi, le panneau des notifications a été un petit peu chamboulé ici. Toutes les notifications, le lecteur multimédia qui joue et compagnie, tout ça, ça se met ici. On a le calendrier à côté. Donc là, ça a été remanié, revampé. Hein, revamped est indiqué sur le site en anglais que je lis à côté. Au niveau des changements aussi dans le panneau de configuration, donc là je vais pas vous montrer bien grand chose parce que j'ai pas grand chose, mais c'est le panneau des imprimantes qui apparemment a été modifié également, où on peut voir les niveaux d'encre des différentes choses, enfin ce qu'il y a à faire. Voilà, donc ça il n'y a pas grand chose à voir puisque j'ai pas grand chose à vous montrer. Pareil pour les comptes en ligne, apparemment l'interface a été remaniée aussi. Et ça, par contre, je peux vous le montrer, l'interface utilisateur a été remaniée aussi. Donc, j'utilisais pas GNOME spécialement avant, donc je peux pas vous dire comment c'était avant, mais voilà. Ça, c'est notre utilisateur. On a des infos sur les dernières connexions. Vous voyez, j'ai peiné à me connecter avant d'enregistrer la vidéo. On peut ajouter un utilisateur, voilà, donc les nouveaux panneaux. Compte d'entreprise, c'est pour se connecter à un domaine LDAP, par exemple. Voilà, faudrait que j'essaye ça avec un Windows Server, voir ce que ça donne, si c'est compatible. Pour être sympa d'essayer.
Donc ça, c'était pour le panneau. Ensuite, il y a des choses que je ne peux pas vous montrer, mais par exemple, si vous avez une, si vous avez une carte hybride, si vous avez une carte hybride, vous pouvez faire un clic droit sur une application et ici vous aurez un menu qui vous permettra de lancer l'application avec tel ou tel GPU, donc soit avec le processeur graphique intégré, soit avec la carte la carte dédiée. Donc ça, je ne peux pas vous montrer. Il faut par contre avoir VGA Switch Root d'installer ou Switch Root Control. SWI TCH R2O. Voilà, le thème d'icône Adwaita a été un petit peu remanié. Vous voyez d'ailleurs même quelques nouveautés ici. Files, donc le gestionnaire de fichiers est passé avec une icône bleue. Voilà, ça c'est la nouveauté. Le terminal et le moniteur système ont aussi leur icône qui a changé. Bon, fondamentalement, c'est pas bien grand chose, mais voilà. Si tout à l'heure j'étais dans le menu paramètres, donc le support pour les tablettes Wacom a été amélioré et ça fonctionne maintenant avec Wayland. Voilà. On peut aussi au niveau de l'interface, vous voyez, si on veut mettre en veille l'ordinateur. Ici, on ne peut pas faire. Il y avait une manip, c'était d'appuyer sur, je crois, CTRL ou majuscule pour transformer le bouton. Bah là, vous arrêtez, vous cliquez longuement sur le bouton et hop, il se transforme en possibilité de mettre en veille. Et là, vous recliquez longuement et hop, on arrive sur la possibilité d'éteindre le système. Voilà. Sinon, il y a eu des petites améliorations au niveau d'applications, des nouvelles applications qui sont introduites avec GNOME. Bon, ça, je ne vais pas en parler, des jeux, tout ça. Une nouvelle fonctionnalité du système de fichiers, enfin de Nautilus, que je trouve bien pratique, bien qu'elle soit dangereuse, c'est la possibilité d'éditer des fichiers en tant que root ou d'accéder à des répertoires root sans lancer Nautilus en mode root. C'est-à-dire que si vous vouliez éditer un fichier de config, il fallait ouvrir un terminal, il fallait faire sudo gedit machin, ou l'éditer en ligne de commande, c'était pas terrible. Là, il y a un truc qui est assez sympa. Vous allez voir, si on va dans autres emplacements, d'ailleurs, vous voyez que l'icône l'a changé aussi. Par exemple, vous voulez ouvrir le dossier root, ou vous voulez éditer, tiens, un truc qu'on fait absolument pas, mais vous voulez éditer le fichier grub2, grub.cfg. Donc avant, il fallait ouvrir terminal, machin, faire sudo nano slash boot slash grub2 slash grub.cfg. Et ben là, ce fichier, on n'a pas les permissions. C'est root qui a l'accès en lecture-écriture, root uniquement en lecture, et là, les autres en lecture seule. Et ben, si vous voulez modifier ce fichier, vous double-cliquez dessus, et là, hop, automatiquement, monsieur Nautilus, monsieur Nautilus ne fait rien du tout. Tiens, ça a fonctionné tout à l'heure avant que je refasse la vidéo parce que j'avais d'autres soucis. Bon, c'est pas grave. Et il vous demande le mot de passe root. Bon, bah là, il me l'a pas demandé. Alors, on va essayer d'ouvrir un dossier. Bah là, par exemple, là, on ouvre le dossier de monsieur root. On met son mot de passe sudo. Et hop, on arrive à aller dans le fichier. Bon. Donc ça marche. Alors maintenant, est-ce que boot grub de grub.cfg veut fonctionner en mode admin? Non. Bon, ça a marché tout à l'heure, ça marche plus maintenant. Alors c'est peut-être parce que c'est pas la version finale aussi. Ça fonctionnait peut-être mieux tout à l'heure, je ne sais pas. C'est pas bien grave. Sinon, j'avais repéré un truc, il fallait mettre admin 2.//. Voilà, ça ouvre Nautilus en mode admin. Et donc là, pour éditer le fichier, il nous pose la question. Alors pourquoi je suis pas passé en mode admin /, j'en sais rien. Heureusement que j'ai repéré ça juste précédemment quand j'ai fait mes petits tests. Voilà, donc ça c'est la possibilité d'éditer des fichiers en mode graphique. Voilà, il pose la question. Donc là, c'est peut-être un petit bug de la version pas tout à fait 3.24 de Nautilus. Bon, c'est pas bien grave. Et puis voilà, donc il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités dans la visionneuse de photos où les petites vignettes sont plus grosses.
On a la possibilité de. Alors là, j'ai pas d'image, mais. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Comment s'appelle l'outil des vignettes, enfin la visionneuse d'image. Hop là, comment on se casse de là? Toute. Shotwell, ça doit être lui. Non, c'est pas lui. C'était pas ça que je voulais voir. Alors attendez, on va ouvrir vite fait une image. Donc on va aller dans ordi, user, 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 share, backgrounds. Ok. Gnome, voilà, on va ouvrir une image. Et donc là, si vous prenez une photo et que vous avez des coordonnées GPS, eh bien, on a les infos GPS qui sont apparues maintenant. Voilà. Donc là, afficher le dossier conteneur. Non. Donc, hop. Ouvrir. Voilà, c'est quand on ouvre le dossier carrément, on a. Alors, je sais pas comment on fait avec cette visionneuse pour ouvrir le dossier avec tout dedans. Pap, pap, pap. Mais normalement, on a des vignettes plus grosses, la possibilité d'avoir des vignettes plus grosses. Bon, je sais pas comment ça s'utilise ce logiciel, c'est pas bien grave. Pas le but. Le navigateur web de GNOME qui n'est pas installé ici inclut pas mal de petits trucs, une version expérimentale de HTTPS Everywhere, la possibilité de synchroniser ses favoris avec Firefox Sync, voilà. Et puis donc les nouveaux icônes, j'en ai parlé. Maintenant, on a des petites choses, voilà, différentes. Et puis c'est tout. Donc qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Bah oui, que GNOME 3.24 sera disponible dans Ubuntu GNOME 17.04. Ce sera disponible aussi dans Fedora 26, qui sortira à la fin du mois de mai normalement. Et dans la plupart des distributions Linux dans quelques temps, donc Arch Linux sans doute, OpenSUSE Lib dans quelques instants, et puis dans Debian, et ben je sais pas pour quand ce sera. Voilà, pour les principales distributions Linux de ce monde. Bref, j'espère que cette petite vidéo sur GNOME vous aura plu, que vous aurez vu à peu près les nouvelles fonctionnalités de cette version 3.24. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!